Je m'appelle José Kirp, je suis luxembourgeoise et j'occupe le poste de directrice des Archives nationales depuis 2003. J'avoue que j'ai toujours eu une passion pour l'histoire et les cours d'histoire faisaient partie de mes matières favorites à l'école. Plus tard, j'ai fait de l'histoire le sujet de mes études universitaires et j'ai obtenu un master en histoire et une licence en philologie en 1984 à l'université Paul-Valéry de Montpellier en France. Après un petit détour à Lisbonne où j'enseignais l'allemand, je suis retournée au Luxembourg pour intégrer le ministère de la Culture en tant qu'attachée de gouvernement en 89. J'ai eu alors le grand plaisir de traiter des dossiers internationaux et de représenter mon pays, entre autres, à l'Organisation internationale de la francophonie, au Comité des affaires culturelles à Bruxelles ou encore à la Commission culture du Conseil de l'Europe. En 2003, j'ai posé ma candidature pour le poste de directeur des Archives nationales et j'ai été nommée à ce même poste par la ministre de la Culture de l'époque. La coopération internationale m'intéresse beaucoup. Originaire d'un petit pays, le Luxembourg, j'ai été élevée dans la tradition d'un pays qui accorde beaucoup d'importance à la coopération internationale et européenne et qui est très attaché au dialogue des cultures. C'est dans cet esprit que j'ai été élevée, c'est cette manière de penser et de travailler qui me tient à cœur. Le multiculturalisme constitue également une des caractéristiques principales de l'ICA et en fait une communauté très forte. Face aux défis qui nous attendent, la diversité culturelle rassemble des compétences et des connaissances diverses qui, à leur tour, génèrent des idées innovantes. J'en suis intimement persuadée et je me réjouis de mettre mon expérience au service de cette communauté archivistique formidable. Je tiens tout d'abord à dire que c'est un grand honneur pour moi de présider le Conseil international des archives pour les 4 années à venir. Je souhaite poursuivre le chemin tracé et continuer à engager des réflexions autour des défis et des transformations qui nous attendent, plus spécialement dans le domaine de la digitalisation, du records management ou encore de façon générale concernant le métier d'archiviste, pour inscrire l'organisation dans une démarche innovante et écologiquement responsable. Certaines procédures au sein de l'ICA me semblent être dignes d'être repensées et éventuellement reformulées dans un esprit de transparence. J'imagine une ICA à l'écoute de ses membres et à la recherche de collaboration étroite avec une gamme élargie de partenaires. Dans un premier temps, je vais me former et m'informer pour mieux comprendre les mécanismes de l'ICA et je serai là pour vous écouter, vous, les membres, pour mieux comprendre vos questions et vos demandes et vos préoccupations. Donc, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me contacter. Je nous souhaite à toutes et à tous une fructueuse collaboration.